Bienvenue à toutes et à tous aux rencontres de la boutique. Beaucoup de nos habitués, donc vous connaissez un peu le principe des rencontres qu'on essaie de tenir de manière hebdomadaire. On fait venir des réalisateurs, des comédiens, des critiques et puis parfois des chefs décorateurs. Donc toutes les semaines, et puis on profite de la sortie de livres, de DVD pour mettre un travail, une œuvre en avant. Et là, ce soir, on est très heureux d'avoir avec nous Dean Tavularis, qui est présent ce soir, et Jordan Minzer, qui est critique de cinéma, qui va nous faire le plaisir aussi de traduire peut-être à Dean tout ce qu'on va dire. Tu vas essayer, Jordan, mais tu l'avais très bien fait. Vous nous entendez au fond ou tout va? Allô. Pas très bien, donc on va augmenter un tout petit peu le volume. Là, c'est mieux. Oui, bon, très bien. Et donc, ce qui nous réunit ce soir, c'est la sortie d'un livre magnifique que David de Cinecdoche sort. On avait déjà fait une rencontre, pas autour de James Gray, mais autour de Darius Kondji. Ce sont des livres qui sont de très beaux livres, des livres un peu sommes, qui sont menés par Jordan, qui sont bilingues, qui sont très bien. Y a des photos magnifiques, ceux qui l'ont entre les mains peuvent le feuilleter. Et puis, voilà. Donc, on va essayer d'avoir une discussion d'une bonne demi-heure. Et puis après, il y aura la dédicace qui se passera du côté de la caisse où Jordan et Dean dédicaceront les ouvrages. On fera circuler le micro aussi afin que vous puissiez poser vos questions à Dean, évidemment, que vous en profitiez. Alors, pour vous présenter, I want to introduce you, Dean. Je crois que la meilleure chose à faire, c'est peut-être juste dégrainer comme ça votre filmographie. Ça nous permet à tous de nous remettre des films, des images en tête, et puis de voir l'amplitude de votre œuvre. Donc je commence, et je suis pas très respectueux, je vais essayer d'être respectueux de la chronologie, mais je vais peut-être pas dire tous les films parce qu'il y en a beaucoup, mais le premier sur lequel vous êtes crédité de production designer, donc chef décorateur, c'est 1967, Bonnie and Clyde. 1970, Zabriskie Point, Bonnie and Clyde, Arthur Penn. 1968, Candy, de Christian Marquand. 1970, Zabriskie Point, Michelangelo Antonioni. 1970, donc Little Big Man, Arthur Penn. 1972, Le Parrain, The Godfather, Le Parrain 1, donc. 1974, Conversation secrète, Francis Ford Coppola. 1974, The Godfather Part 2, donc la deuxième partie du Parrain. 1979, Apocalypse Now. 1980, One from the Heart, coup de cœur de Francis Ford Coppola encore. J'ai pas précisé qu'Apocalypse Now était réalisé par Francis Ford Coppola. 1982, Hammett, Wim Wenders. 1983, Rumblefish, Rusty James, donc Francis Ford Coppola. 1986, Peggy Sue Got Married, Peggy Sue s'est mariée, Francis Ford Coppola. 1987, Gardens of Stone, Jardin de Pierre, Francis Ford Coppola. Un homme amoureux, A Man in Love, Diane Curis. 1987. Non, ça... non. Tout le monde essaie de le cacher. Alors, non, mais c'était pas si... Bon, bref. Alors, 1988, Tucker, The Man and His Dream, Francis Ford Coppola. 1990, The Godfather Part 3. Le Parrain, troisième partie. Alors, Final Analysis, sans chaud pour meurtre de sang-froid, de Phil Janoux, que j'avais vu, oui, en effet, Richard Gere, Kim Basinger. Ouais. Alors, voilà, il y a beaucoup de... Bulworth, Warren Beatty, en 1998. La neuvième porte, 99, de Roman Polanski. Alors, c'est pas exhaustif, mais voilà. Et je finis donc par Carnage, 2011. De Roman Polanski. C'est quelque chose quand même. On vient de traverser un demi-siècle. Quand vous entendez tous ces
toute cette filmographie, when you hear all your filmography, what, qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que... Yeah. I'm impressed. Je suis impressionné. Let's not be ashamed. Faut pas avoir honte de ça. There are a few that, anyway, it's you're talking about what you did for a long time. Whatever you want to call it, life's work. It's too big. It's your whole life, no matter what you do, and to encapsulate the whole package is very difficult. But that wasn't the question, was it? Donc, I'm just going to translate, and then we'll see. Donc oui, c'est de toute façon quand vous parlez de ça, c'est toute une œuvre, toute une vie. Donc c'est difficile d'encapsuler tout ça dans comme ça, mais c'est plus grand que ça d'une certaine manière. Mais je suis pas sûr que c'était la question. Je réponds à la question. Oui, non, mais ouais, juste une question parce que ce qui est impressionnant dans votre œuvre, c'est que vous avez commencé, ce que je n'ai pas cité, mais vous avez commencé chez les studios Disney. J'ai vu que vous avez travaillé sur 20 milieux sur les mers de Fleischer, donc vous avez connu le Hollywood des studios. Vous avez connu tout cet âge d'or où les producteurs avaient vraiment la main mise sur le film et sur le réalisateur, sur toute l'équipe. Et puis, vous avez travaillé avec des figures emblématiques du nouvel Hollywood, ce qu'on a appelé le nouvel Hollywood, et avec une façon de fonctionner complètement différente. Donc, votre parcours à ce niveau-là est passionnant. Et moi, juste ma première question, qu'on a dû vous poser mille fois, mais production designer, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que moi, je l'ai appris aussi en lisant ce livre. Qu'est-ce que c'est production designer? First, you said it's impressive that you grew from going to the Hollywood studio system to the new Hollywood, and you worked in both. And then he just has a first question, very basic: what is a production designer? Well, I've answered the question. I hope that I answered it the same way each time. There's always that danger of talking over yourself. But as I said it before, I think when you look at a film or when you read a novel, it would be the same thing. I think when you read a novel, you get pictures. At least I do. I get like a movie that comes out of the book. But obviously, when you go to see a film, you see images, and those images would be the work or the responsibility to provide those things by the production designer. Could be the table, the tablecloth, the food, the wine. I always add the dog too. You might have translated. Donc, j'espère que j'ai répondu chaque fois à cette question, qu'est-ce que c'est un production designer, un chef décorateur, de la même façon chaque fois. Mais pour moi, c'est un peu si vous prenez un livre, un roman, et quand vous lisez un livre, ou moi, quand je lis un livre, en tout cas, j'ai des images, je vois tout de suite des images. Donc, quand vous voyez un film, il y a des images. Et qui est responsable des images, de ces images? Mais en partie, c'est le chef décorateur, le production designer. Donc, tout ce que vous voyez sur l'écran, ça vient aussi de lui. Donc, si c'est la table, la serviette sur la table, moi, dans mon cas, je suis aussi responsable des chiens dans des films. Tout ça, c'est sous ma responsabilité. There's an interesting page in Jordan's book of a kind of a cartoon that describes the function of an art director or production designer, which is the same thing, basically. And I'm not trying to sell the book, but j'essaie de retrouver le dessin, hein, en question. But it goes in, it's a very simple
cartoon explanation, but it's very easy and very clear and accurate. Donc en fait il y a un dessin, une bande dessinée dans le livre, et ça, d'ailleurs ça date des années 30, et qui explique vraiment ce qui est le métier de chef décorateur. De à l'époque ça s'appelait art director à Hollywood, aujourd'hui on appelle ça production designer, et ça explique étape par étape ce qui fait vraiment du jour au jour, d'une manière pratique, le art director. One question, il faut quand même que vous ayez la même idée ou les mêmes images en tête avec le réalisateur et le directeur de la photographie, j'imagine. Il ne faut pas que vous ayez des images différentes. But doesn't that mean you need to, when you talk about images that you see when you read and when you see a film, don't they have to be the same ones that the director or the cinematographer has in their head as well? No. Non, c'est pas obligé à être les mêmes images. Not to be glib, but since it's basically impossible, forget about it. Faut pas être prétentieux, mais c'est impossible. Donc, il faut oublier l'idée qu'on va tous avoir les mêmes images dans la tête. Alors, j'imagine quand même que Francis Ford Coppola aimait les images que vous aviez en tête, quand même. Yeah, because really, for some reason, my images were the same as his. We rarely, never had different images. So once we started talking about a set, we never had a kind of a formal conversation, taking the script and going through the script together. It always came out of hanging around, and usually it was in New York, and we were just driving around New York and going to bars and stuff. What they call hanging out, and that would be kind of a production meeting. And let me just translate. So, donc, oui, en fait, s'il se trouvait que Francis Ford Coppola et moi, on avait les mêmes images souvent dans la tête, donc on se disputait rarement sur l'idée d'un décor d'un de ces films. Mais quand nous on parlait de décor, c'était pas d'une manière formelle avec une réunion où on regardait les scénarios ensemble, on regardait chaque scène et pour discuter du décor. C'était souvent, on était souvent à New York, on roulait en voiture ou on traînait beaucoup ensemble, hanging out dans des bars, et c'est à ce moment-là qu'on parlait de décor ensemble. Non, mais moi, Jordan, peut-être toi, dis-nous quelques mots aussi sur ta rencontre avec Dean, sur peut-être votre première rencontre, ce qui devait peut-être pas être déjà, ben, ça devait peut-être pas accoucher d'un livre aussi épais, mais après, il y a quelque chose qui s'est peut-être imposé à toi, et tu t'es dit, il y a plus qu'une matière, parce que ce que je n'ai pas dit en présentation, c'est qu'il y a évidemment la conversation, l'entretien que tu as avec Dean, mais aussi il y a une interview de Storaro, de Vittorio Storaro, de Warren Beatty, que vous avez, il y a une introduction par Wes Anderson, Milena Canonero qui est costumière également, et puis toute la fin de l'ouvrage aussi qui parle un peu d'architecture mais du travail de peintre de Dean, donc c'est un livre somme en quelque sorte. Donc raconte-nous cette première rencontre. Donc oui, en fait, j'étais allé voir Dean pour faire un article sur lui. J'ai appris qu'il était à Paris. Et, bien évidemment, j'avais entendu parler de lui, de son travail. J'avais vu quasiment tous ses films. Et donc, j'étais voir vraiment juste pour un article assez court pour ce film. Et j'étais allé dans son studio qu'il a dans le 17e, où il peint depuis des années. C'est ce qu'il fait maintenant. Il consacre sa vie à la peinture.
Et en parlant avec lui, assez rapidement, je me suis rendu compte que c'était vraiment le sujet du prochain livre et qu'il fallait absolument faire dans la même façon qu'on avait fait le livre sur Darius Conji et James Gray, c'est-à-dire parler avec Dean, mais aussi avec ses collaborateurs, donc, c'est-à-dire Coppola, Warren Beatty, avec qui il a fait deux films, et aussi Vittorio Storaro, en fait toute l'équipe visuelle du film, surtout avec Storaro et lui, et puis Milena Cananero, ils ont vraiment formé une petite équipe, ils ont fait plusieurs films ensemble, et c'était hyper intéressant de voir comment le chef opérateur voit le travail de chef décorateur, comment la costumière travaille avec le décorateur, et puis comment le réalisateur travaille avec le chef déco. Donc l'idée, c'était de parler de tout ça, et bien évidemment suivre la carrière de Dean. Et c'est très rare de trouver quelqu'un qui a commencé sa carrière chez Walt Disney, qui a travaillé avec Walt Disney lui-même, et puis de pouvoir suivre cette carrière jusqu'au dernier film, Carnage, et puis après jusqu'à son œuvre d'artiste aujourd'hui. D'ailleurs, Dean va avoir, il y a une exposition de ses tableaux à Clermont-Ferrand très bientôt, et puis je crois à Paris aussi en janvier. Voilà. S'il y a des questions déjà, n'hésitez pas, profitez-en, on n'a pas beaucoup de temps. Ouais. J'ai une petite question sur le tournage de Tucker, parce que, enfin, d'après ce que j'ai lu, Tucker avait construit très peu de voitures en fait. Et comment s'est passé ce travail sur la reproduction des voitures de Tucker? Well, we knew that he built 52 cars, and I think three were destroyed through time, but the rest could be tracked down, and that was one of the jobs that the production started right away when it looked like Francis was really going to make this film. They contacted, there were Tucker clubs, they had two or three cars available. Francis had a car, George Lucas had a car, and there were individuals around the country, quite a few in Miami, that were notified that a film was going to be made, and would they like their car to be in the film? Most people responded with a positive answer. Usually they wanted one stipulation, that whoever drives the car, it should be him, the owner. They wanted to be with their little baby. Donc oui, quand on a commencé Tucker, on savait que Tucker a construit que 52 voitures, et dont 3 avaient été détruites. Donc il restait 49 voitures. Francis Ford Coppola était propriétaire d'un Tucker, Torpedo. George Lucas aussi. Pour les autres voitures, on a commencé tout de suite, quand on savait qu'on allait faire le film, que Francis voulait faire le film, on a commencé à contacter les clubs d'automobilistes, je peux comment dire, qui avaient des Tucker. Il y avait des clubs un peu partout aux États-Unis, mais surtout en Floride. Et on a contacté le propriétaire de voitures. On leur a demandé s'ils étaient d'accord pour mettre la voiture dans le film, qu'on tourne avec la voiture. Et ils ont souvent dit oui, mais avec une stipulation, c'était que eux, ils seraient le conducteur de voiture, parce que pour eux, c'était leur bébé. And they took one of the cars, I think it was Francis's car, where the owner couldn't complain, and took it apart, took the fenders off, took the doors off, and made molds and cast all these different parts, and they were supposed to be polished aluminum, and they were used in the scenes in the factory
where you had production lines and you're seeing how the car is assembled, that you had just the chassis and then the left fender, the right fender, the doors stacked up. Those were all created by taking apart the original car, and they sat on a, some of them, most of them were used as separate little parts on assembly line shots, or they were reassembled on a Toyota chassis and actually were used in the parade at the end of the film. It wasn't a big, it was a necessary problem that had to be solved, but the people that were in these car clubs were kind of gung-ho, enthusiastic, and so it would, they cooperated so nicely that these so-called difficult problems were solved very well. C'est un peu technique, donc je ne vais peut-être pas pouvoir tout traduire. Mais en gros, en fait, pour créer les scènes, il y a plusieurs scènes qui se passent dans l'usine de Tucker dans le film. Et pour reconstituer cette usine, il fallait démonter une voiture originale. Donc Francis Ford Coppola nous a prêté sa voiture, on a démonté la voiture. Et comme ça, on pouvait copier toutes les différentes parties de la voiture pour mettre dans l'usine. Et après, pour le mettre, en fait, à la fin du film, il y a une espèce de, il y a une scène où il y a toutes les voitures Tucker qui arrivent à la fin du film. Donc, il y a certaines vraies voitures, il y a d'autres voitures qui sont faites en vrai de Toyota, mais qui sont couvertes par des parties Tucker pour ressembler à des Tucker. Et en fait, avec tout ça, on a discuté, on a travaillé avec le propriétaire de voitures, qui généralement était très enthousiaste pour le film, pour ses processus. Donc, c'était vraiment pas difficile de le faire. Non, mais c'est intéressant parce que quand on écoute Dean, on voit, et c'est ce qui est dit dans le travail, c'est que le production designer, c'est vraiment 20% de créativité et 80% aussi de travail très concret, de diriger des équipes, de trouver des solutions. Et on le sent tout de suite à travers la façon de, voilà, d'exposer un problème, comment on est dans des choses, encore une fois, très concrètes. Alors moi, il y a une anecdote, parce que le bouquin fourmille d'anecdotes, et une anecdote que j'aime beaucoup, qui est tirée du Parrain, où je crois un de vos assistants, Dean, vous demandez, il y a une scène de, je ne me rappelle plus exactement quelle scène, mais une scène de meurtre dans la rue à l'extérieur, et Dean demande à son assistant de lui apporter une tarte aux pommes. Et l'assistant lui dit pourquoi, on est dans un restaurant italien, il faut une tarte aux pommes sur le bar, quoi. Et son assistant lui dit mais on va pas la voir cette tarte aux pommes. Il dit ne t'inquiète pas, va chercher une tarte aux pommes. Donc l'assistant vient et pose cette tarte aux pommes. La scène est tournée et l'assistant voit Dean et lui dit mais tu vois bien, on la voit pas cette tarte aux pommes à l'écran. Il dit mais je sais pas s'il l'a virée d'ailleurs, mais il dit mais tu comprends rien. Même si on la voit pas, c'était important qu'elle soit là. Et ça m'a fait penser vraiment à Visconti dans la scène dans le Guépard, la scène du bal, où tous les dans les meubles, il devait y avoir des serviettes, des mouchoirs. Comment? Kubrick aussi faisait. Bon, voilà. Alors, c'était pas le seul. Mais exactement. Et je pense que ça, c'est pas de la maniaquerie, mais ça a tout son sens. But it's important. It's important. It's a good work habit to be that way. To be. But you want something that maybe everyone else is going to say, well, this is ridiculous. He's too demanding. But no one's going to see it. This will drive you crazy when you hear kind of a subordinate prop man say that. You'll never see it.
That's not the point. But you're there to make a film, not to put people through an educational system. But it's not my job to be a teacher. Le Donc, mais en fait, c'est toute une philosophie de travail, c'est une façon de travailler, de se dire déjà tout ce qu'on va voir, on est en train de faire un film, tout ce qu'on va voir à l'écran ou pas à l'écran est important. On n'est pas là sur un tournage d'éduquer l'équipe pour ceux qui sont subordonnés. Ils ne sont pas là pour l'éducation, ils sont là pour faire un film. C'est ça qui compte, c'est ça qui est le plus important, c'est le film. Il y a d'autres questions, peut-être? I wish we had 5 hours listening to you and asking questions. Is it possible for you to tell us in a few minutes what Apocalypse Now, for instance, meant as an experience for you? Again, I wish we had 5 hours. Well, it's hard to put it all together. I'm speechless. C'est difficile de tout rassembler, j'ai pas de mots. It meant something. I think that being able to do it, so many right from the beginning, from the first weeks, not even shooting, but the first weeks of moving in and kind of feeling the ground and seeing how we were going to do all that, that was in the script, shoot that script, that even then, people began to go back to America. Oui, ça signifiait quelque chose. Je me rappelle que dès le début du film, même avant le tournage, quand on est arrivé sur place, on commençait à tâter le terrain, à s'installer, et on commençait à regarder le scénario et voir tout ce qu'il allait à faire. Mais il y avait des gens qui déjà commençaient à retourner, de retourner en Amérique. And to me, it taught me that, but I knew I wasn't that type of character to walk away from something that had to be done. And I'm always anxious to go back and finish something. So it taught me about myself, that I would stay, and even though I had some respects, the worst of all the jobs there, because when after the monsoon, everyone had a break because there was nothing to shoot, and they could all go back and wait until the company became reconstituted, more or less. Oui, donc pour moi, en fait, ça m'a appris quelque chose sur moi-même, parce que moi, je suis quelqu'un qui j'aime bien finir ce que j'ai commencé.
Et donc, sur ce film, surtout, j'étais vraiment testé parce que, d'une certaine manière, j'avais le travail le plus difficile sur le film. Parce que quand les décors, plusieurs décors, grands décors du film ont été détruits par le monsoon, le typhoon, dans les Philippines, mais tout le monde est parti. Mais moi, j'étais obligé de rester pour tout reconstruire. Et donc, j'avais cette obligation-là. Donc, d'une certaine manière, je suis resté le plus longtemps sur place pour faire ce film. You could see that Francis wasn't going to leave. He was, you might say, you know, mad to finish. And it would be unthinkable that idea of leaving. But when you ask me what did I learn, maybe I learned a little bit about myself that I suppose I could have left because it was just incredibly difficult in that respect of a grinding work day and night. Mais donc oui, par exemple Francis aussi, finalement il est resté, il aurait pu partir aussi, il est resté aussi pour finir son film. Mais moi, je pense que vraiment si j'ai appris quelque chose, c'était que j'étais vraiment testé et je suis resté. J'aurais pu partir, j'aurais pu laisser tomber le projet, mais je suis resté. Et c'était du jour au jour, on travaillait de jour de nuit, d'une manière très dure, et j'ai persisté à finir le film. Juste quelques mots quand même sur la fameuse fin du film, la construction du temple, c'est quand même ces comédiens, ces têtes là qu'on voit au pied du temple, qui étaient des comédiens. Il y a quand même eu plein de, le recours à beaucoup d'ingéniosité quoi, sur cette construction là, et puis sur ce décor à la fin de vos films que vous faites, que vous détruisez, que vous êtes, c'est le cas dans Zabriskie Point, mais c'est dans le cas dans Apocalypse Now aussi peut-être. Well, and of course we all start with the script that everybody walks around. In fact, Francis made, because the script is like kind of a large book, Francis had the idea to make, reduce the script so you can put it in your back pocket. So everyone is walking around with the script. And the big thing in the film for the art department for me was this Cambodian temple. The script that I had, the temple at the end is bombed by the Americans, and the Martin Sheen character calls in the American Air Force and they bomb the temple. So je vais juste traduire. Donc oui, tout commence avec le scénario, avec un film. Et dans le cas d'Apocalypse Now, c'était un scénario assez épais. Et Francis Ford Coppola a eu l'idée de réduire le scénario en petit format pour que ça devienne un livre de poche que tout le monde pouvait porter dans leur poche. Donc moi, je lisais ce scénario et je voyais qu'il y avait un temple cambodge à construire. Et un temple aussi qui allait être bombardé, détruit à la fin du film quand le personnage de Martin Sheen appelle l'Air Force américain pour venir bombarder et détruire le temple de Kurtz. Donc c'est tout ce que je savais du scénario. So if you're going to bomb the temple at the end, you'd build it a certain way. And if you don't bomb it, you'd build it totally different way, and certainly more economically. Donc si vous allez bombarder le temple à la fin du film, vous allez construire le temple d'une façon, alors que si c'est pas
bombarder à la fin, vous pouvez construire d'une autre façon beaucoup plus économique. We chose to build the temple in a certain curvature of the river, and it wasn't so much a choosing, it was kind of dictated to us that it fit the geography of the script to build the temple on this particular place. It was below the road. We had the main road, so we had to build a small road down to where the temple would be constructed to begin with. That's just trying to get some equipment, but we couldn't get anything large down to where the temple was going to be built. D'abord, il fallait choisir le lieu où le temple allait être construit, et on a trouvé un endroit sur le fleuve. Et donc, c'est plus ou moins l'endroit qui a dicté là où on allait construire le temple. Donc, c'était en bas, il y avait une route, une vraie route en haut, et le lieu, c'était en bas. Donc, il fallait d'abord construire une petite route nous-mêmes pour pouvoir amener toute la matière sur le lieu où on allait construire le temple. Mais c'était vraiment très, très petite cette route, donc on ne pouvait pas amener des grandes machines, des grues et tout ça pour la construction. So our basic heavy duty machinery was the water buffalo and bamboo sleds. And instead of making a skin with scaffolding behind it, because we were going to blow it up, we had to build with mud blocks, very much like the Cambodian temples in reality were built. Donc notre plus grosse machine, c'était le buffle, water buffalo, je sais pas comment, des buffles qui transportaient la matière sur des sleds, je sais pas comment dire, comme pour Noël. Oui, en bambou. Et donc, c'est tout ce qu'on avait pour construire le temple. Normalement, si c'était un temple qui n'allait pas être exposé à la fin du film, on aurait pu juste monter un échafaudage et faire un peu la peau du décor autour de l'échafaudage. Mais vu qu'on voulait que l'explosion soit réelle et vraie, on a fait de vrais blocs, des briques en boue, comme faisaient les Cambodgiens des milliers d'années avant pour construire leur vrai temple. And on like that, and then in the end, we did blow up the temple, but over a period of, I think, 7 nights, every night we'd bomb and destroy a certain part of the temple. But that film is in some room someplace. No one in the public has ever seen it. Donc à la fin, on a vraiment fait exploser le temple pendant 7 nuits. On a explosé de différentes parties du temple. Ça, tout a été tourné, mais cette bobine du film, ça n'a jamais été montré. Ça existe quelque part, mais c'est pas. Et en fait, juste pour corriger Dean, on peut voir cette scène sur YouTube. parce que c'était à un moment donné, Coppola a mis ça dans le générique de fin du film, et quelqu'un a mis en ligne ce générique de fin où on voit les explosions qui sont absolument magnifiques en fait, et donc on voit que tout le travail, c'était pas pour rien, en tout cas on peut le voir aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Profitez-en, encore une ou deux questions peut-être. Alors c'est peut-être non, pas trop parler, mais si que tout le monde prenne la parole, oui. Bonsoir. Je voulais juste que Dean nous parle un peu de son travail sur le film Bonnie and Clyde, et notamment sa collaboration avec Arthur Penn. J'avais lu dans un, je ne sais plus où, que les studios étaient fâchés d'Hollywood parce qu'il avait tourné en décor naturel alors qu'il voulait
qu'il tourne en studio et qu'il voulait même virer Dean. Enfin voilà, je ne sais pas si c'est vrai. Il y a beaucoup de choses dans le livre, hein, en effet, là-dessus. Il faut. And that she had read somewhere that the studios were not happy that the film was shot on real location. They wanted to shoot the studios, and that apparently they wanted to fire you at some point. All true. Tout est vrai. It was the chasm between Bonnie and Clyde was, you might say, the chasm between old Hollywood and the new Hollywood. C'est vraiment la gouffre entre la vieux Hollywood et le nouveau Hollywood, la grosse différence entre les deux sur ces films. They wanted Bonnie and Clyde to be made like Paramount wanted The Godfather to be made under their control, in the back lot, and with the conventional cast, and then the controllable atmosphere. Warner Brothers voulait que le film soit tourné comme Paramount voulait qu'il soit tourné le parrain, c'est-à-dire dans le studio, dans le backlot de studio, complètement sous leur contrôle, avec leur casting et tout ce que le studio voulait. My turn. Well, mostly from, the studio heads, Harry Warner with Bonnie and Clyde, wrote a letter that I just recently, a few months ago, reread, saying that Bonnie and Clyde should be made in the back lot, will be made in the back lot of the Warner Brothers Studios, that the product signs like Coca-Cola, which I was painting, but I used it the way the research showed me. But Harry Warner said that there should be no Coca-Cola signs and other products. Why? Because he's thinking someday the film will be shown on television and there will be sponsors. It could be Pepsi-Cola. And then he'd have a big problem. Récemment, j'ai retrouvé une lettre que le studio, que Harry Warner chez Warner Brothers avait envoyé à la production en disant que d'abord que le film allait être tourné en studio sur le backlot, et deuxièmement la lettre parlait de placement de produits dans le film, parce que moi j'avais dans mes recherches, j'ai vu qu'il y avait des panneaux Coca-Cola dans les années 20 partout dans le Texas. Donc moi j'ai commencé à peindre et à créer ces panneaux, et Harry Warner a dit non, c'est interdit de mettre ces panneaux dans le film, parce que il a pensé si un jour le film allait passer à la télé, il pourrait peut-être faire un sponsor, il y aura une pub de Pepsi-Cola, donc le film pourrait pas passer. Donc il pensait que à ça, en fait. And this shows you a small example of where Harry Warner is, what he's thinking of when he's talking about Bonnie and Clyde, and what I'm thinking about when I'm thinking about how to make the film a little bit better than somebody else would make it. And he's thinking about some TV exposure next year, the year after that. Donc ça montre vraiment la différence dans la façon dont Harry Warner pensait du film et moi je pensais du film. Moi je voulais juste faire un film un peu mieux que les autres. Alors que Warner, il pensait déjà à la diffusion à la télévision plus tard et la pub. And that's this attitude, I believe, was how they slowly began to lose control of the power of making a film. That the bankers saw that
what you needed was the filmmaker. It could be the star, Dennis Hopper. It could be some young, new movie producer. But you, why did they have to have a studio and a studio head? So that began to erode. There's a reason why. There's a reason why Warren Beatty had that letter that he showed me a few months ago that he kept in his office for 30 years or so. Because it was indicative of their attitude. Yeah, donc c'est, y a une raison pour laquelle Warren Beatty m'a montré cette lettre qu'il gardait pendant 30 ans. Parce que ça montrait, c'était indicatif de l'attitude de chef de studio à l'époque. Et en fait, le banquier qui finançait le studio commençait à se poser des questions sur le chef de studio et parce qu'il voyait que c'était un peu ringard leur façon de penser le cinéma. Donc c'est là où arrive le nouveau Hollywood avec de jeunes acteurs, réalisateurs qui vont venir et qui vont travailler directement avec des producteurs et que le rôle de chef de studio va devenir un peu obsolète en fait à ce moment-là. And one of the things I'm very proud of in the letter, it said, and that Dean Tavolaro should be fired. Et une chose dont je suis très fier dans la lettre, qu'il a ajouté à la lettre, et c'est Dean Tavolaro devrait être viré du film. Une question, peut-être une dernière question, par rapport à votre métier de production designer, mais aujourd'hui, avec toute la révolution technique quand même, le travail de post-production, on imagine que le production designer aujourd'hui n'est pas le même métier qu'il y a 30, 40 ans, parce qu'il y a énormément de choses qu'on peut faire avec le numérique, avec les fonds verts, avec tout ce que vous ne pouviez pas faire à votre époque, tout ce que vous construisiez. Maintenant, aujourd'hui, tout ça peut se gommer. Qu'est-ce que vous pensez de ça, de cette nouvelle approche du métier ? What's great about the whole thing is that I don't really have to think about it anymore. Donc, ce qui est super, c'est que moi, j'ai plus à penser à ça. But vous en situez, you can come to imagine you have an opinion. Yeah, seriously, I think that I'm on the anti-CGI side of the thing. I think there's this, and talking to other people, so combine their opinions, not just my opinion, but there's a certain humanity that you lose, and it's replaced by a mechanical precision that was better served when things were totally made by humans. Oui, plus sérieusement, je pense que je suis plutôt du côté de anti-CGI, effets visuels, effets numériques. Et c'est aussi, c'est pas juste moi, mais en parlant avec d'autres designers que je connais, on trouve qu'il y a quelque chose d'humanité, d'humain qui est perdu au moment où tout est construit mécaniquement et parfaitement par des ordinateurs. Yeah, badly put, but I think it's overused and it defies logic and it makes the story unbelievable because it creates a world where things don't respond the way we're used to them.
If I drop this, it hits the floor. And in CGI film, this suddenly this bounces around for some reason, no reason. Donc ça, oui, ça, le problème, c'est que ça défie la logique et du coup, ce qu'on regarde sur l'écran est beaucoup moins crédible parce que tout est possible avec du CGI. Donc par exemple, si je prends ce micro et je laisse tomber par terre, mais normalement, ça tombe par terre. Mais si on peut utiliser du CGI, le micro peut commencer à danser et donc après, on ne croit plus rien. On va peut-être s'arrêter là, à moins qu'il y ait une ultime question, mais on va s'arrêter là et remercier Dean et Jordan. Merci beaucoup. Alors je vous propose qu'on se retrouve vers la caisse pour la dédicace. Et Jordan et Dean, ce sera un plaisir de vous dédicacer l'ouvrage. Here we are, a lot of people still buy DVDs.